il n'est pas défendu. Le 551, Monsieur Roseren. Un peu dans la même chose, donc l'amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination, l'éligibilité, le calcul, l'attribution de la fraction boursante de la dotation de solidarité. Ce plafonnement a été créé par la loi de finances en 2017, sans simulation et sans concertation avec les communes concernées. Malgré une population permanente, comme ça a été dit, inférieure à 1500, ces communes supportent en effet des charges importantes. La perte de leur fraction boursante menace aujourd'hui la pérennité des services publics de proximité qu'elles doivent assurer. Par ailleurs, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié en situation de zone de montagne.